Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest 11. Aujourd'hui on va reprendre du coup l'aventure où on s'arrêtait la dernière fois. Donc je me suis directement téléporté dans la ville de Sniffelheim pour aller du coup trouver cette fameuse créature qui devrait devenir notre mascotte. Le seul souci c'est que je ne sais pas du tout où elle est. Donc ça va être un peu le pifomètre. En revanche je sais comment la battre. Puisqu'apparemment, elle revit à l'infini, il faut la battre d'une certaine manière, c'est-à-dire avec un sort foudre. Donc, on va voir ça. Hein. De toute façon, j'imagine que c'est une créature unique, donc on la reconnaîtra dès qu'on la verra, je suppose. Je vais fouiller un peu partout, hein, du coup, pas le choix. Il y a une luge. Dommage. Ok, donc là il y a les hauts d'Arborea, la bibliothèque royale. Est-ce que ça ne serait pas par hasard là où on avait affronté... Enfin là où il y avait eu la sorcière et Hendrik. Ouais, je pense que c'est ce que je vous dis... On va aller voir directement, mais il y a de très très grandes chances. Moi qui pensais avoir terminé le jeu, réussir à faire 3 let's play de plus juste pour me marier avec Emma, je m'y attendais pas du tout. De toute façon, c'est comme la vraie fin. Hein. Moi, je pensais qu'on allait juste avoir un donjon optionnel et finalement, ça a duré 10 let's play, quoi. Donc je vais aller vérifier mon intuition. On va se diriger là-bas directement. Le seul souci c'est qu'il va me falloir... voilà, je pense qu'il va me falloir ceci. Puisque ça risque d'être bloqué par un bloc de glace là où je vais aller. Parfait. Ah mais non, je vous dis des bêtises. C'est la bibliothèque par là, mais j'ai pas envie d'aller à la bibliothèque. Puisque c'est justement la bibliothèque qui avait le livre pour savoir comment battre la créature en question. En même temps, aussi bien si j'avais parlé à... la bonne personne, il m'aurait peut-être indiqué où était cette créature. Là, il y a marqué quoi? Ok. Bah écoutez, je suis pas le public, moi je suis un héros, donc on va y aller.
Mon dieu, ça va être long jusque là-bas. J'espère que c'est bien ça. De toute façon, j'ai qu'à tracer. Et mince, ça m'énerve. En plus, tout ça pour un élixir du sage. Oh, c'est chiant! Sans déconner, tout ça pour le one-shooter en plus. C'est obligé. Je suis niveau 99, à un moment donné, il faut arrêter. C'est pas le bon endroit. C'est là-bas que je veux aller. Voilà. Et maintenant on va là. Et en toute logique, ça devrait être ici qu'à la créature. Après, je peux me tromper, hein, mais... Ouais, c'est ça. Je m'en doutais. Nickel. Bon, il faut espérer que j'ai pas lui faire trop mal, on va voir. Non, ça va, il est bien. J'aurais été tenté de faire une explosion magique, mais ça pourrait le tuer, donc on va éviter. C'est une blague. Ça, c'est typiquement le truc, le genre de truc qui peut me faire rager, quoi. Je suis niveau 99 et je suis en train de me faire défoncer. Et il n'y en a pas un qui va se réveiller, hein. Ah ben, quand même. Mon dieu, je serais tellement tenté de lui faire une explosion magique dans la tronche là. Mais je peux pas parce qu'il est presque mort. Cool. J'ai jamais vu un monstre qui était capable de réussir deux fois d'affilée son méga torpeur sur la totalité de mon équipe. Ça, c'est génial.
Oh non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Ah, ça va, j'ai eu peur. Hein. Cool. Normalement, c'est bon. Et voilà, on a enfin réussi à trouver la quatrième personne. Donc on peut se téléporter directement à Cobaltine. Alors évidemment, on va pas se marier à Cobaltine directement. Il faut retourner dans le labyrinthe et aller parler à Tristan, j'imagine. On verra bien, mais... Ça, c'est d'ailleurs un des points qui m'embête un peu. Et j'espère d'ailleurs que ce sera possible. Ah, il est là-haut. Ah oui, d'accord, mais en fait, ils ont reconstruit toute la ville, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est bien stylé, franchement. Bon, on va aller voir Gemma ce qu'elle dit, et ensuite, on va se diriger vers le labyrinthe. Elle est où, Gemma? Ah, mais elle est peut-être à l'intérieur, je suis bête, puisque c'est réparé. C'est pas ce que j'avais prévu, mais bon. Faut que je la trouve. Ma petite Gemma, où es-tu? Elle est là. Ok, parfait. Donc ça c'est bon. Maintenant on va se téléporter directement aux îles des épreuves. Et on va aller voir ça. J'espère que c'est bien ça qu'il faut faire. Ok, on va voir. Bon, évidemment, du coup, il va falloir que je me retape les allers-retours pour les labyrinthes, mais bon. Si effectivement je peux épouser Gemma, ça vaut le coup. Bon, je devrais me souvenir du chemin emprunté, logiquement. J'ai bien dit logiquement.
C'est parti. Alors là, je sais plus lequel c'est, il me semble que c'est celui-là. Voilà. Ensuite, c'est celui qui a là. C'est bien ça. Ensuite, on va tout droit et au bout d'un moment, on va tomber, on remonte l'échelle et bim, on arrive à la sortie. C'est cool, cette fois-ci, j'aurais pas passé la journée. Voilà, c'est là. Et donc là, je suis à côté de l'échelle. C'est ça. Ok. Hop, c'est là-bas, c'est ça? Ouais, c'est là-bas. C'est bon, on arrive au bout. Ça a été plus rapide que tout à l'heure. Hein. Donc là, j'arrive dans la zone des vautours. Normalement. Je me demande s'ils vont me faire rebattre un boss ou pas. Ça va être assez rapide parce que comme on peut voler dans cette zone, il suffit de prendre le dragonnier et puis c'est bon. Je me rappelle même plus combien il y a de zones. Voilà. Ah bah elle est là-bas. Je suis bête. C'est par ici, non? Attendez. On va pas faire de bêtises. C'est là, voilà. Parfait. Ça y est, on y est. On va voir ce qu'il nous dit. Ouh. Je m'attendais pas du tout à avoir un combat. Et il m'a dit qu'il fallait que je gagne en 50... Je vais y arriver en 50 coups maximum. Après, je suis niveau 99. En soi, ça doit être faisable. De toute façon, je vais utiliser son coup de botch à elle. Je suis obligé. On va voir ce que ça va faire. Thank you.
Serena, du coup, elle va soigner, puisqu'on va prendre cher, je pense. Et Jade, elle va donner un élixir elfique directement. Ah, ça va, ils ont perdu beaucoup de vie, donc c'est que c'est faisable. J'avais peur que ça soit des sacs à PV. Alors Jade, est-ce que tu as un élixir? Voilà, c'est magique. Franchement, c'est magique. Et là, bim! Oh là là, que c'est beau, mais que c'est beau! Ça, c'est un peu moins beau, par contre. Ah, ça, c'est beau. Donc il faut que je le tue avant qu'il ait le temps de refaire un rappel. On est bien d'accord. Sauf qu'il veut pas mourir. Allez, meurs. Oh non, il va refaire rappel, c'est obligé. On va voir. C'est le coup de poker. Tant pis. Ça y est? Ah, génial. Bon ben voilà, c'était faisable. Très action. Donc, course de chevaux, se marier avec Emma. Attendez, me dites pas qu'il va pas y avoir de cérémonie quand même. Parce que s'il n'y a pas de cérémonie, qu'on est juste marié comme ça, c'est vraiment, vraiment décevant. Là, je serais vraiment dégoûté. Parce que vu le temps que ça m'a pris quand même... On va voir, mais de toute façon, je le sens pas honnêtement. Je sais même pas où aller. Ah, elle est dedans, je pense, puisqu'il y a le chien devant. C'est une blague. Oh là, je suis déçu. Mais qu'est-ce que je suis déçu? Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais là, franchement, je suis méga déçu. J'ai l'impression de m'être fait limite avoir, quoi. Parce que je me suis...
embêté pendant 1 heure et demie à faire tout ça. Et tout ça pour qu'en fait ce soit comme ça, un claquement de doigts et bim, on est mariés, voilà. Pas une petite cérémonie, enfin je veux dire, ça leur aurait coûté quoi de faire une petite cérémonie là? Il y a une église juste ici, quoi, sans déconner. Bon, ben tant pis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mine de rien. On aura fait un petit bout de chemin. Si ça vous plaît, si vous vouliez savoir au moins ce que ça fait, maintenant vous le savez. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et je pense que si je trouve d'autres trucs encore, je ferai d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo.